Madame, ici, bonsoir, bienvenue dans sa zone à la Nugget Ban site équipée de mine d'actualité. Criminal Code Amendment Bill fin présenté en deuxième lecture aujourd'hui après-midi par Premier ministre dans l'Assemblée nationale. Pravin Jugnauth a déclaré qu'il s'apposait des lois là. Les fin vin affirment en complice la souveraineté maurice sur l'ensemble de ce territoire, y compris l'archipel des Ban Chagos. 12,5 millions de roupies, la drogue en termes valeur marchande fin saisie pendant la période 2017 jusqu'à commencement novembre 2021, soit 12 fois plus que pour la période 2005 à 2009. Information chef gouvernement qui fin donner aujourd'hui pendant une question réservée à Premier ministre en sa mardi dans l'Assemblée nationale. Finalement, un contrat pour acheter plus de 1 million de doses Molnupiravir. 5 grossistes pharmaceutiques fin gagnent l'autorisation importe sa médicament là contre COVID-19. Ministre de la Santé fin annonce ça dans Parlement aujourd'hui après-midi. Et dans l'Allemagne, chancelière Angela Merkel fin dire qu'il y a une mesure prise dans l'Allemagne pour arrêter une quatrième vague épidémie COVID-19 lit insuffisant. Madame, Monsieur, merci pour fidélité. Criminal Code Amendment Bill fin présenté en deuxième lecture aujourd'hui après-midi par Premier ministre dans l'Assemblée nationale. Pravin Jugnauth a déclaré qu'il s'approche la loi là. Livin affirme encore plus la souveraineté maurice sur l'ensemble de ce territoire, y compris l'archipel des Ban Chagos. Livin faire et sortir qui gouvernement pour faire tous efforts pour décolonisation complète maurice et pour exercer sa souveraineté l'urban Sagos pour qui Sagosien capable réalise The Trève retourne leurs lieux de naissance. Pravin Jugnauth précisé aussi que cet amendement-là n'a pas vu aucune façon limite la liberté d'expression. Me propose un extrait intervention Premier ministre. The amendment being proposed to the criminal code is not aimed at limiting freedom of expression, which is guaranteed by our constitution. It is intended to bring to justice those individuals and entities which engage in acts pursuant to a claim of sovereignty by another country over any part of the territory of Mauritius, and which claim has been found to be invalid by an international court or tribunal. In fact, the application of the bill is limited to expressions of sovereign authority on the part of a foreign state. Mr. Speaker, sir, this is a bill which has the objective of further strengthening our assertion of sovereignty over the whole of our territory, including the Chagos Archipelago. Government will continue to spare no efforts for the completion of the decolonization of Mauritius so that it can fully and effectively exercise its sovereignty over the Chagos Archipelago. And our citizens of Chagosian origin can fulfill the aspiration of returning to their birthplace. Mr. Speaker, sir, with these remarks, I commend the bill to the House. €12,5 millions, la drogue en termes valeur marchande d'un fin saisie pendant période 2017 jusqu'à commencement novembre 2021, soit 12 fois plus que pour la période 2005 à 2009. Information qui chef gouvernement fin donné pendant une question réservée à Premier ministre en sa mardi dans l'Assemblée nationale. Pravin Jugnauth annoncé qu'il peut atteindre une conclusion et l'enquête nationale auprès de Isazé la drogue pour janvier. Et a également les fins permettent une meilleure réponse nationale face à la drogue, ce qui Premier ministre fin préciser ban caméra surveillance dans les ports pour rehausser pour une meilleure couverture des ban activités les ports. Ban détail avec Valérie Kali. Question député Ousmane Mahomed Tiaxé, le trafic la drogue dans ban localité Vallée Pito, Trankba, Plaine Verte et Quad 4 dans Pau-Louis.
Premier ministre répond qu'il y a 4 quartiers là, sous supervision 4 stations la police, et qui de 2017 à 18 novembre dernier, un total 632 l'opération crackdown fin faire par la police. Pravin Jugnauth précisait qu'il basait le saban statistique là, pas capable de dire qu'il y a une augmentation dans la prolifération de la drogue dans saban région là. Bonne mesure préventive fin toutefois prend. Combat contre la drogue, l'île nationale, d'après Premier ministre, c'est à cause ça qu'il fin faire une étude nationale pour une meilleure réponse. Mr. Speaker, sir, it must also be pointed out that the National Drug Secretariat of my office, in collaboration with the United Nations agencies, conducted a national survey among people who use drugs in Mauritius in September 2021. The results of the study, which are expected in January 2022, will provide comprehensive information including socio-demographic characteristics of drug users, their living conditions, their employment status, age of onset of drug use, frequency and patterns of use, and extent of drug use, which will guide our national drug response. We shall then be in a better position to assess the extent of the drug situation among the population across different age groups. Premier ministre expliquait que diverses actions fin prend tant au niveau communautaire qu'au niveau ban programme d'études pour mieux sensibiliser la communauté ban jeune face à sa fléau là, ban nouveaux mesures pour traquer ban trafiquant fin également prend comme dans les ports and des ban ports d'entrée ban substances illicites. The CCTV cameras in the port area will be upgraded with the latest technology capable of covering a wider range of port activities. The project is expected to be operational by September 2022. In addition, an IT-based access control system will be introduced, which will provide real-time control and will be fully integrated into the port IT network. Mr. Speaker, sir, as the House is aware, we have been taking bold measures, despite the COVID-19 pandemic, to address the drug problem in Mauritius. And these have produced positive results, and we are determined to continue unflinchingly to fight it. Dans tranche questions supplémentaires, député Salim Abbas Mahmoud fin intéresse li à ban saisie la drogue de 2005 à ce jour. Premier ministre fin préciser qu'il va leur saisie pour période 2017 à novembre sa l'année là, les 12 fois supérieurs à période 2005 à 2009. The total street value of drugs seized during the period 2005 to 2009 is approximately 1 billion rupees. And the total street value of drugs seized during the period 2010 to 2014 is 994 million rupees. Whereas the total street value of drugs that have been seized during the, I would say, the near last 5 years, that is from 2017 up to beginning of November 2021, stands at 12.5 billion rupees. That's an increase of nearly 12 times. Une autre question supplémentaire, lors l'installation encore plus caméra CCTV par député Farah Doumia, Premier ministre dit qu'il y a une caméra Safe City et n'a pour but renforce l'efficacité de la police. Contrary to what, unfortunately, what has been previously alleged that government is trying to, you know, to try to see who is moving where and so on, this, in fact, since the installation of all these cameras, this has never happened, and it is a matter for the police to become even more efficient. So obviously, there is a question about Safe City camera. There are some sites which the police is now trying to identify, so that probably the decision will come when they will see which area, which region, and which place they will put those cameras. Et qu'à une question député Ousmane Mahomed pour plus présence la police près de l'hôpital Djitou pendant distribution méthadone, Premier ministre dit qu'il a requête pour faire à commissaire de police par intérim.
Ban travaux, la commission d'enquête, les affaires Betamax fin commencé à 14h en sa mort, dit 23 novembre 2021, devant juge Carol Green, Joku Exodé, assesseur Telkrach Parbonnet et Kodades Moussafir. Ban audition fin commencé avec une motion avocat Betamax Limité et CEO de la compagnie Vikram Bunjan et que maître Rishi Persem. Pendant sa première la journée audition, la STC fin appel à fournir plusieurs documents, dont trois qui n'entraient à un contrat entre Betamax et STC. Prochaine audition pour faire mardi 30 novembre à 14h dans la Cour suprême. Ban détail avec Sarah Onou. Ban audition dans quatre commissions d'enquête, l'affaire Betamax a commencé avec une motion de l'homme de loi de Betamax Limited, maître Rishi Persem. L'in demandait à ce que la commission d'enquête là les suspende aussi longtemps qu'il assesseur Telkrach Parbonnet siège le panel commission d'enquête les affaires Betamax. Motion là est rejetée par juge Carol Green Joku. L'in précisait qu'il visait un lot de la Cour suprême pour suspendre commission d'enquête. Moi, quand je vous dis, c'était plus établir une procédure, comment on parle plus loin. Nous gagnons sa convocation, nous gagnons une dizaine de jours. Donc nous nous focalisons sur tout l'autre, compile un document. Évidemment, nous visons maintenant nous-mêmes. Alors, plus en détail. L'avocat de Betamax, il fait un statement. Et là, suite à ce statement, là, il fait une motion pour dire pas continuer avec la commission. Parce qu'il dit, parce qu'il y a ben, les autres cas qui dans la cour. Et c'est une fin application for judicial review et une application for constitutional review. Chairperson de sa commission là, il fait connaître qu'il n'est pas capable d'accepter cette motion parce qu'il n'est pas fini gagner aucun lot depuis la cour pour arrêter la procédure qui une séjour pour commencer ici aujourd'hui dans la commission. Et moi, en tant qu'avocat de la STC, je conseille la STC en toute transparence, disclose toute l'information qui est là pour qui nous connaît la vérité dans toute l'affaire de Betamax. Procès audition prenant lieu le mardi 30 novembre à 14h à la Cour suprême. Pour rappel, cabinet ministériel qui prend décision à instituer une commission d'enquête au contrat d'affrètement de carburant qui est gagné par Betamax Limited. Nous retournons dans le Parlement, dans la transbane question parlementaire. Ministre Lila Devi Dukan-Lochman fin dire que tout ban décision concerne l'enseignement en ligne pour prendre d'un commun accord avec ban principaux partenaires d'éducation et qui a stella li prématuré cause un retour à l'ancien système. L'ITP répond à une question député Ramphol ban détail avec Thierry Ramasomi. Mr. Speaker, sir, it's a bit too early, too premature for me to say what exactly will be the situation in a few weeks' time. But what we are hoping is that by next year we may have full-fledged classes and students would not be penalized. We'll try our very best to ensure that whatever the decision is taken, it will be in the keeping the interests of the children foremost. Je ne voudrais pas à ce stade venir, c'est comme s'il a des doutes dans la tête des élèves, je voudrais par contre leur demander de continuer à bosser, à essayer de travailler et on verra si jamais la situation s'améliore, on va trouver les moyens pour assurer qu'ils puissent couvrir le programme. Autrement, comme je vous ai dit, on prendra les mesures nécessaires. Dans le titre du pédiatrie final, loué un contrat pour acheter plus qu'un million de doses Molnupiravir. Cinq grossistes pharmacies finent gagner l'autorisation, importent sa médecine contre COVID-19. Ministre de la Santé fin annonce ça dans le Parlement. Aujourd'hui après-midi, dans une déclaration, Dr Kailesh Jagatpal affirme aussi qu'il peut atteindre la livraison d'un autre médicament incessamment. Les fin ajouter que taux mortalité liée à COVID-19 dans Maurice depuis mars 2020, les 340 pour 1 million d'habitants. Pour qu'il y ait allé à plus de détails dans le journal télévisé. Prise en charge, traitement, vaccination, focus la rédaction pour consacrer encore une fois sa semaine lors COVID-19 dans Maurice avec l'accent particulier le traitement avec la prise en charge des patients qui sont positifs. Nous pouvons guetter aussi comment évoluer traitement en vue évolution la maladie à côté de patients
ou bien question 5-944-6900. Sa mission là à suivre à 20h30 le MBCN et MBC SAD. Ban sif astela 147 dimoun fin testé positif sa ban dernier 24 heures et 4 dimoun fin admet dans l'hôpital INT. 58 patients fin admet dans ban les autres hôpitaux régionaux. Au niveau vaccination, 885,922 dimoun complètement vaccinés et 52,994 dimoun fin faire zot boost dose. 18,733 dimoun fin guéri et COVID-19 depuis mars 2021. Ce qui met fin à sa chapitre consacré à la lutte contre COVID-19. Abdel Fattah al-Sissi, président l'Égypte, le nouveau président, comme ça, il peut succéder à Andrew Raswell, aujourd'hui après-midi, dans Caire, pendant 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Premier ministre fin participe à ça, à l'événement-là en virtuel. Pravin Jugnauth fin met l'accent sur la zone libre-échange tripartite qui représente, selon lui, une opportunité pour saisir, pour éclaircir coopération commerciale et économique entre 21 pays membres. Comeza, chef gouvernement fin aussi invite ban professionnel dans les domaines pharmacologie et que biotechnologie participe dans projet mauricien produire ce ban propre vaccin. Tavin Tapesa de nous ban détail. 21e sommet ban chef d'État et gouvernement Comeza, marché commun l'Afrique orientale et australe finissant lieu ce mardi au Caire en Égypte, liénant pour thème l'intégration de la technologie numérique dans ban l'économie, un sommet qui fin tenir en présentiel et en virtuel en raison pandémie COVID-19. Président l'Égypte Abdel Fattah al-Sissi, in officiellement succède à président sautant Andrew Raswell à la tête Comeza, une communauté économique régionale qui compte 21 États membres et plus de 583 millions d'habitants dans un cadre de coopération qui vise une croissance économique et une prospérité durable grâce à l'intégration régionale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement expriment eux dans ce sommet-là, dont nouveau président Comeza Abdel Fattah al-Sissi, qui souhaite une coopération accrue de ban pays membres de sa instance-là en sa période de pandémie-là, en misant notamment le partage ban connaissances et ban services, notamment en matière de technologie informatique. Premier ministre Pravin Jugnauth, qui peut intervenir en début d'après-midi en virtuel, il met l'accent sur ban opportunité qui la zone de libre-échange tripartite peut offrir à ban pays membres du Comeza. The choice of the theme for this year's summit reflects our determination to find new and creative ways to adapt to the new normal which the COVID-19 pandemic has imposed upon us all. Building a stronger integrated regional digital economy is, in our view, the most fitted response to the challenge we are facing. It is one that has proven itself in developed economies and is capable of providing a business continuity that will revitalize our own economies and pave the way for sustainable growth and development. Excellencies, the pandemic is a global health tragedy which continues to have devastating and far-reaching effects on our healthcare systems, economies, and social life, and has caused hundreds of thousands of deaths. From September 2020 to September 2021, the Comesa region has seen an increase of 747% in the number of fatalities. Our economies have been severely impacted due to the inevitable lockdowns. Momentum gained through the establishment of the Comesa EAC SADC Tripartite Free Trade Area has lost its steam. Yet, with a combined estimated population of 800 million and $1.4 trillion gross domestic product, the Tripartite Free Trade Area has the potential to stimulate growth as well as boost trade and investment to ensure that our people are not left behind.
chef du gouvernement, Finessi évoque l'ambition de Maurice, développe une industrie pharmaceutique et met en place une usine de biotechnologie pour production d'un vaccin à Maurice. Resilience building against pandemics will necessitate a readjustment of our industrialization strategy. We should endeavor to become self-sufficient in products of vital importance, such as vaccines. I congratulate Egypt for the production of the Sinovac vaccine. My government had issued an expression of interest for the development of a pharmaceutical industry and the setting up of a biotechnology plant in Mauritius. And we invited interested international companies with relevant experience and know-how to express their interest in such a venture. Président sautant Comesa, Ange Radzuel, il lance officiellement rapport annuel de sa instance là pendant sa sommet là. Vous retrouvez vos pages BTO, si ça après sa passe Bible. Zout quoi, nous paye le travail là? Pas vraiment. Parce que Winners, c'est plus qu'une compagnie, c'est une nous famille. On rit ensemble, on mange ensemble, on se soutient, on s'entraide. Et tous les jours, on apprend à donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que je travaille pour le numéro 1, moi aussi je suis numéro 1. Chez Winners, ma carrière avance tous les jours. Winners recrute. Présentez-vous dans un de nos magasins ou contactez-nous sur recruitment@winners.nu. Nouvelle vidéo dans l'Allemagne. Chancelière Angela Merkel fin dire qu'il y a une mesure qui fin prend dans l'Allemagne pour arrêter une quatrième vague de l'épidémie COVID-19 est insuffisant et fin dire que l'Allemagne est confrontée à une situation hautement dramatique. Nouvelle l'étang Stéline courant d'air lésé et plutôt seul et pécia qu'il l'ornuraison prévision pour faire niaz dans la soirée avec ban ondé au plateau central dans les nord et qu'à l'est niaz peut dissiper graduellement pour la suite et que l'étang pour faire beau temps pendant la nuit. Température minimale variée en 17 et 19 degrés au plateau central et quand 22 et 24 degrés l'horizon côtière li pour faire beau temps demain. Mais le ciel pour venir dans l'après-midi dans les sites et loin de Porti, plateau central avec ban averse localisée. Température maximale voyante 26 et 28 degrés le plateau et quand 30 et 32 degrés le littoral. Divant les aigles voyables à soi et qu'il peut souffler nord-est à environ 15 km par heure demain. La mer pour hésiter au-delà ban récif avec ban houle sud 1,50 m. Marée pour haute demain 3h21 et 14h32. Lipouba 20h31 et demain 8h23, soleil pour lever demain 5h21, soleil pour coucher demain 18h32. Madame, Monsieur, sa zone à l'encréole Maurice a fini. Ici, merci pour l'attention. Bonne soirée. L'Oman Sanembessé. Au revoir.